s'aligne sur les étagères de la bibliothèque, la télévision, le meuble de la télévision, les éléments de la cuisine, sous le bureau, par terre dans les coins, derrière la porte. Une fois toutes les procédures médicales entamées, tu ne sais pas si et quand tu pourras. Sortira de ton appartement, mon premier rein. Ce sera pour te faire emmener par la mer à la clinique du parc, à Castelnau-de-Lez, pour un sevrage d'une semaine. Qu'ensuite, on te conduira dans une clinique neuropsychiatrique, à Quissac. Tu ne sais même pas où c'est, sauf que c'est dans le Gard. Aucune précision sur la durée de ton séjour au pays des Guenèves. Ça dépendra sans doute de ton comportement et de tes états mentaux et physiques. Tu tables sur 3 semaines, mais ça pourrait être plus long. Dans ta piole d'étudiant de 25 mètres carrés, tu es assis à ton bureau, de grandes planches sur tréteau. Des copieusement arrosés, encore plus que d'habitude. Un véritable déluge, un véritable carnage. Cuite répétée en cigarette du condamné. Trou noir succédant au trou noir, même en pleine journée. Jack Force 10 en continu pour t'arracher l'existence et de ce corps dans lequel tu t'embourbes. Un grand vide. Tu sombres en toi-même dans un naufrage volontaire mais non prémédité. Est un individu de taille moyenne moins, de petit poids, au visage quelquefois incertain, souvent hideux. Le poète, fréquemment subventionné par la H ou le RSA, vit en studio avec un chat persan. Il veut faire fi des conventions, se lave peu, sans fort. La mauvaise odeur est l'une des marques majeures du poète, avec la mauvaise éducation et un goût certain pour le cynisme. Cette caractéristique dernière est dégueulasse et souvent, soit dit en passant, l'apanage des poètes expés. Ces poètes d'élevage, plus chichement vêtus et parfumés, ce sont les bourgeois de la poésie. Quand les autres en sont les pécheurs. L'artefaction du Kiziflac, la côte mandéenne, la frésipolation des lilas, l'extraction des cadavres, la suie sur une eau pierreuse, une caverne aspergée d'essuie-glace, génote surbutée, flaque sur ce continent, transvaluation des mires contrices, la fox en patte de lapin, la main en gelée, l'action fissile, l'action fossile, l'imminence derrière, micmac d'affaires de clé, floc floc, clic clac, j'ai ton souffle qui me gaspille, tes poils qui illuminescent. J'axe variamment les conditions de la détente, le cominiarque chez le frisipote, et alors, sans gueule, sans dégorger, gavé sans aborder, grillé, gavé, frôlé, falsifié en filiforme, uniquement le dimanche. Si peut-être les écouteurs me feront sourd, je ne veux rien dire sur les oreilles, je ne peux rien en dire. Ça crie très fort dans le poste. Si un jour suffisamment nous considérons que, nous assumerons le sort de responsabilité et prendrons les mesures qui s'imposent. Et là, vous m'envoyez bien isolé, petit karatéka aux allures de silure, la moustache cependant, l'accumulation rectale et le lucipolage des ramures. Exécrable, j'ai la glacialité qui pend. Alors je reste, alors je ne reste pas, j'ai froid à n'en plus pouvoir, ça balance. 8 personnes mortes congelées dans des parkings, des voitures, des câbles, des cartons spongieux, des armoires à glace, des images pétrifiées condensées en gouttes de sommeil long, moderato, crevées dans un fossé nigérian est préférable. Doit-on entrer en guerre? Le déploiement de forces kaki en Perse sont balbutiants. Le bébé naîtra le 8 avril, des citrouilles sur la terre meuble, Aloha. Je n'ai pas entendu Notre-Dame de Paris, je m'en excuse, gêné à perpétuité, gelé jusqu'à la couette. Porte ce fascicule, ma blondeur, porte ce chant, ton souffle, gaspillage. Bokassa était le nom d'un anigri cannibale aux dents jaunes claires comme le soleil qui s'éprend. Je suis incapable ne serait-ce que de faire la vaisselle ou de changer d'ampoule. Ça pour calmer mes grosses angoisses. Quand je ne demande pas de bonnes excuses. Quand j'ai ma petite déception, c'est mon coefficient de dinguerie. Je suis handicapé à 79%. Le pactole est à 80, une poussière, un fétus. Mais soyez conscients que je travaille tous les jours à aggraver mon mal. Grâce à la drogue, au cocktail, à l'alcool médoc et à la masturbation intensive et compulsive. Se faire mal. J'en ai rien à foutre de vous, j'en ai rien à foutre de tout le monde. Fallait pas qu'elle la ramène, cette salope, à l'espace de quelques secondes. Et les déclinaisons et l'étendue. La diagonale du fou, ses affres, ses versets, brisés, passant par une infinité de points, par le centre de l'œil
et semblant qu'elle crève, et passant par l'injuste milieu, on a redéfile, menti, donc démoli, démoli, donc menti, menti, donc démoli, menti, comme ce presbytère. Un sol mal ivre. La phrase que voici. Dans ma chambre, c'est pas dans celle, pas bien, c'est la magie, c'est la mongole, la force, c'est pas la bande, c'est la rime, la forme, c'est l'agence. La rime, c'est la vie, c'est la main, c'est la vie, c'est la selle. L'amour, c'est la chance, ça m'en tient, fait. Pour moi, il y a chaque agent, c'est bon, c'est avant, c'est la monde. Rien m'a fond, c'est l'agence, la rime, la forme, c'est la vie, l'agence. N'est-elle pas jolie la farce que voici? La farce que voilà la l'air! La mentir, la farce que voilà la l'air! Oui, la mentir, ma. Oui, la bon Dieu vendu alors de leur porte, leur bite, leur pochance, leur vendeuse, leur voleuse, leur voiture, leur temps, leur chance, et leur vie. N'est-elle pas jolie la farce que voici? On peut en rire et ça ne finit pas, ça tient jusqu'au petit matin stupide. On dit donc adieu l'autre, et sa ménagerie, son asthme et sa police, et tout son être issu du cul, comme une conséquence qu'elle a peur qu'il aspire par contrefaçon. Parce qu'on doit retrancher un seul clone de ce cœur qu'on a, le prélever sur l'ombre, et crier adieu donc, sans préserver les dents. Réexpédier l'ange et la mésange aux saletés qu'ils font ensemble et séparés par-dessus bord, sans exception. De sang sur le drap blanc immaculé, je roule le premier soir, rebaigne, visé qu'au bout d'un moment, chaque drogue est chiante, un chantier, une trace de C, je me gratte le nez en faisant un bain de bouche avec le café tiède, et je repense à la conversation du soir avec Nanette. Oui, le pouvoir corrompt les plus propres, le pouvoir corrompt même les plus propres, le pouvoir corrompt même les plus propres. Aujourd'hui, Nanette arrivera à 19h, le temps de mourir, vu qu'une fois ma vie est en prison, je tourne en carré dans ma cellule, c'est l'allée brisée que je prends mon envoi, je suis la douleur. Les heures durent des jours, les jours des nuits. Pas de mal à une mouche, pas de danse au-dessus du vide. Sur la corde, sert à rien, m'étrangle quand les murs se resserrent. Une fois la messe dite, au commencement était l'injure. J'écris pour tuer, j'écris de toutes mes forces. L'angoisse arrive avec ennui. Les heures les plus longues, de 5 à 7. Je vais faire un tour dans les sites de foot. Mais les fois qu'ils sont ouverts, j'adore ça. Je me demande si je veux pas ira bien au Barça. Rejoins Suarez et Messi. Le sac de bottle se fait ramasser par des questions et des grilles infectées. 19h48, Nanette est en retard. Je compte tourner comme un enfant. Mais la fille s'y perd. Elle dit d'elle et elle aime trop. Thank you.
Charlie Pétrole, guerre Syrie, ça fait combien de temps? Ça dure depuis combien de temps? Voilà, Irak, Saddam, Afghanistan, Reagan, Bush, Obama. Depuis combien de temps? La vague en extase aussi, septembre. Il fait chaud. De plus en plus chaud. Il libère, ouais. De jour, de jour. Est-ce qu'il libère? Oh,
de ce monde s'inquiète.